On a souhaité l'inclure dans ce qu'on appelle voilà, l'identito-vigilance. Donc, c'est un moyen pour les professionnels de sensibiliser les patients à tout ce qui est lié à l'identité. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, l'identité, c'est aussi mon espace santé, la protection des données médicales. On a fait notamment des actions de communication, on va dire plutôt sensibilisation auprès des professionnels. Donc, on a fait deux flyers de communication. Un pour les patients, un pour les professionnels, où dedans on aborde l'INS, qui est un facteur important pour mon espace santé, et où on a abordé également mon espace santé avec du coup des explications à quoi ça sert, comment on l'alimente, et avec le petit QR code pour activer son compte. On a également mis en place les affiches de l'ARS dans les box de pré-admission, où voilà, les professionnels peuvent également sensibiliser les patients à cet item. Le service qualité propose avec l'encadrement des quarts d'heure qualité, donc ça dure vraiment 15 minutes, sur tout un tas de sujets. Et donc du coup, là, sur cette fin d'année 2023, on a proposé aux professionnels d'aborder la thématique de l'identito-vigilance et donc en lien avec mon espace santé. Donc là, pareil, on proposait un questionnaire de 6 questions, questionnaire interactif, où les professionnels répondaient et on amenait un petit échange. Donc du coup, on leur posait la question « Est-ce que vous connaissez mon espace santé ?» Et donc du coup, de là, il y en a qui disaient « Oui, je m'en sers, etc. » Et on leur proposait de savoir s'ils étaient contents, quels documents ils retrouvaient dessus, etc.